Moi, j'étais à la maison. Quand l'incident s'est produit, là, le grand frère du défunt qui est venu taper à ma porte pour me dire que son frère est presque mort. J'ai dit, mais pourquoi je suis sorti? J'ai dit, pourquoi? Bon, tant d'explications, je me suis levé, je l'ai suivi. Il y a un coin ici, là, dans un vide, là où les enfants vont s'amuser, un terrain de foot en miniature. C'est là-bas où il y a une grande poubelle, que les gens ont l'habitude d'aller jeter les ordures et les trucs qui s'ensuivent. Et maintenant, voilà quelque chose qui se trouve oui, devant la voiture, qu'on appelle airbag. C'est ce que l'enfant est allé ramasser dans la poubelle. Mais dans le truc là, il y a quelque chose là-dedans que les enfants découpent souvent pour prendre et aller revendre autrement, quoi. Mais là où il a voulu dépouiller, il y avait du feu. Je crois que c'est le feu là qui a chauffé. Mais en attendant, avant ça, ceux qui ont pris la chose pour dépouiller connaissent la gravité. Comme ceux-ci connaissent la gravité, et ils ont commencé à dépouiller, mais je crois avant d'exploser, ils donnent un signal, à mon avis. Je n'étais pas sur le lieu. Celui qui dépouillait a pris la fuite. C'est mon homonyme maintenant. Quel signal a fait, la chose a fait? Lui, il s'est courbé. Voilà, il y a quelque chose qui est là, qui est sorti en vitesse, en pompe, comme une balle. Qui est venu le prendre sur sa tête. Je suis venu, j'ai vu le petit coucher. Il saignait comme si tu égorgeais un mouton. Je suis arrêté, j'ai vu même le truc à l'intérieur de sa tête. Je n'ai pas pu résister. Je suis venu, les gens m'ont pris pour m'emmener à la maison. Et après, on a déplacé un truc, un véhicule pour déposer le petit maintenant à l'hôpital. Même d'ici son arrivée, il était déjà mort. Hein. C'est fait hier, dans les environs de 11h, 12h. Alors c'est tout ce que je crois. C'est ce que je peux dire. En attendant. Du courage. Merci.